Bonjour la France, bonjour le Québec et le reste du monde. Bienvenue à cette 12e édition du Festival 48 images secondes, festival dédié au cinéma québécois et francophone qui a lieu normalement dans le magnifique village de Florac dans les Cévennes en France. Ah Florac, tu me manques Florac. Salutations à tous les Floraclois et Floracoises qui nous suivent. Donc, nous débutons en beauté avec le magnifique « Il pleuvait des oiseaux » de Louise Archambault. Mon nom est Daniel Racine, je suis le coprogrammateur avec Guillaume Sapin, que je salue, et animateur de ce rendez-vous annuel du cinéma québécois en France, en plus d'être critique de cinéma pour les magazines Séquences et L'Actualité. Pour une deuxième année consécutive, malheureusement, on est obligé d'être en ligne, mais on espère fortement être de retour, peut-être cet automne, mais assurément au printemps 2022. Tous les films de cette année sont disponibles pour les spectateurs et spectatrices de la France via le Ciné-Club du site cinémaquébécois.fr. Malheureusement, pour les Québécois, il faut les trouver sur ouvoirça.ca ou aimetoncinéma.ca. Vous allez trouver tous les films québécois qu'on a présentés. Donc, pour les Français, on vous propose de vous abonner. Vous avez droit à une très, très belle sélection toute l'année et c'est seulement 36 euros pour un an pour avoir toujours 10 films québécois disponibles en tout temps. On aimerait remercier, un gros merci au Festival Regard pour leur festival qui va fêter leur 25e anniversaire du 9 au 13 juin prochain et pour le court-métrage « La femme qui a vu l'ours », très, très bon court-métrage de Joanie Lafrenière qui précédait « Il pleuvait des oiseaux ». Le Festival 48 images secondes n'existerait pas sans le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris, de l'aide de la région Occitanie-Midi-Pyrénées et celle du département de la Lozère. Un gros merci chaleureux. Alors, la rencontre d'aujourd'hui est accessible via le Ciné-Club, notre page Facebook du Festival 48 images secondes et notre page YouTube. Donc, gênez-vous pas de poser vos questions. Elles vont m'être retransmises tout au long de cette heure. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Si je ne me trompe pas, on a un beau compte Instagram. Partagez nos publications, réagir, laissez des commentaires. Alors, notre film d'ouverture cette année, c'est le lumineux « Il pleuvait des oiseaux » de la très populaire cinéaste Louise Archambault, que j'accueille à l'instant. Bonjour Louise. Ah, attends, je pense que ton micro est fermé. Alors, je développe le langage des signes. A, B. Mais bonjour Daniel bonjour. Et bonsoir tout le monde en France. Oui, ben c'est ça. Normalement, tu serais en Lozère. On va s'imaginer la Lozère dans notre tête. Première question très, très simple avant de faire ta biographie, c'est comment vas-tu? Parce qu'on a eu une année vraiment étrange pour tout le monde, particulièrement pour le monde de la culture. Comment tu as vécu cette année-là, toi? Comment tu te sens? Ben comme beaucoup de gens, j'ai la chance d'avoir la santé. Je pense que c'est ce qui prime dans cette ère de pandémie. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu personne. Il y a eu des épidémies, mais une pandémie qui dure aussi longtemps, qui atteint toute la planète, ça remet les choses en perspective. Et je pense qu'il faut retravailler sur la résilience et l'humilité. Mais j'ai eu la chance, en fait, de tourner une série télé l'automne dernier. Donc là, je suis en finition, une série télé, une comédie pour Radio-Canada. Et donc, j'ai eu la chance de pratiquer mon métier en plus de l'écriture. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup. Quand on a tourné cet automne, j'ai pas tourné l'été, et tous les compagnons, mes compagnons de travail, les acteurs, les actrices, on sentait le plaisir, le désir de vouloir pratiquer notre métier, notre chance qu'on avait, puis d'être ensemble. C'est sûr que c'est difficile, il y a des mesures sanitaires pas possibles pour faire des mises en scène, mais l'être humain, je pense, est un être qui s'adapte. Et en ce moment, je pense qu'il faut juste mettre tous les efforts pour faire en sorte que on passe à une autre étape, puis que la pandémie soit derrière nous, et en faire peut-être quelque chose de plus sain dans les prochaines années, les prochaines décennies. Et dis-moi, ton film « Merci pour tout », il a pris l'affiche le 25 décembre 2019, donc quelques mois avant la pandémie. Est-ce qu'il avait fini sa vie en salle avant que la pandémie arrive? Je ne sais pas.
Moi, quand c'est quand je pense que oui. J'étais à Miami quand il a fallu au festival, quand il a fallu qu'on revienne vite. Peut-être que oui, ou il était peut-être encore dans quelques salles. On a eu la chance vraiment de le sortir en bonne et due forme et d'avoir une belle visibilité. Peut-être que ça tirait sur sa fin et bien évidemment. Mais je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Bon, au Québec, on te connaît très bien, mais je vais te présenter pour ceux qui te connaissent moins en France. Donc, Il pleuvait les oiseaux est ton troisième long métrage qui a eu sa première mondiale au TIFF à Toronto, qui est un des plus gros festivals maintenant dans le monde, en septembre 2019. Il est en compétition officielle aussi au festival, au prestigieux festival San Sebastian au Pays Basque espagnol. Auparavant, tu as réalisé La Familia et l'immense succès Gabriel en 2013. Et depuis, comme je viens d'en parler, il y a eu la comédie Merci pour tout qui est sortie fin 2019. Tu as aussi plusieurs courts-métrages à ton actif. En plus, c'est ça, d'avoir dirigé de nombreuses séries télé, dont la populaire série Trop, qui est sortie au Québec, je pense, il y a... Mais la dernière saison, c'était l'année passée, hein, si je ne me trompe pas. Mais en fait, c'est ça. La diffusion vient d'avoir lieu cet hiver. Ah bon? Donc, Il pleuvait les oiseaux, c'est avant tout le roman de Jocelyne Saussier qui a été édité au Québec par XYZ. Et ceux en France qui veulent se procurer, c'est chez De Noël et Folio. C'est ta grand-mère qui te l'a proposé et ce livre t'a habité longtemps. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir le réaliser, ce film? Mais en fait, quand je l'ai lu, c'était vraiment d'un, l'écriture très, très forte, des personnages atypiques et entiers. Que je trouvais fabuleux. Et il y avait quelque chose qui me restait au fil des mois après la lecture de ce roman-là. Tu sais, tu continues ta vie, tu travailles, tu lis d'autres trucs. Et puis ça, cette histoire-là me restait, je sentais, j'avais l'odeur de l'histoire aussi, la mousse, la forêt. Je voyais des images. Et il y avait quelque chose qui, à travers les épreuves de ces personnages-là, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me restait en moi qui était justement une ode à l'amour et à l'espoir, à la vie, à l'idée de pouvoir choisir sa vie et dans ce cas-ci, et sa mort. Et donc, il y avait quelque chose, la thématique était plus grande que ma petite personne. Il y avait quelque chose qui rejoignait l'universel et l'autre avec un A majuscule qui m'interpellait. Et donc, j'ai rencontré Jocelyne Saussier qui habite en Abitibi. Il faut dire qu'en Abitibi, c'est à peu près 8h, 9h de Montréal. Alors, moi, je suis allée une fois dans ma vie présenter un film, mais sinon, on ne va pas si souvent. Et puis, et donc, Jocelyne était en Abitibi? Non, au Salon du Livre de Montréal. Au Salon du Livre. Je suis allée la rencontrer. On a parlé, puis c'est vrai, elle a fait une dédicace pour ma grand-maman, parce que ma grand-maman, en bon québécois, était ma pusher de livres. On a fait beaucoup d'échanges là-dessus. Et donc, de fil en aiguille, je vais demander pour les droits, puis après ça, il y a un concours de circonstances. Il y a quelques producteurs qui voulaient les droits de ce roman. Et Ginette Petit, qui a finalement produit le film, m'avait déjà approché jadis pour un autre projet qui j'avais décliné pour X raisons. J'étais occupée sur autre chose. Et donc là, il y avait un concours de circonstances. On voyait le même film. Et donc, on est allés ensemble dans cette aventure-là. Mais en même temps, je me disais, qui va aller voir ce film-là? Qui va aller voir des vieux ermites dans la forêt? Alors... Donc, j'ai vu aussi, bon, j'ai écrit le scénario, on l'a adapté, etc. Mais après ça, avec téléfilm, fallait aussi que je les convainque. Non, je veux pas faire un film plate. Je veux que ça soit accessible. Je veux que ça soit le fun. Puis bon, tu sais. Voilà, c'est ce que ça a donné, le film que vous avez vu. Et bon, la littérature, le cinéma, c'est deux langages complètement différents. Qu'est-ce que tu as dû laisser tomber? Puis qu'est-ce que tu as inventé dans ton film? Je me rappelle pas de tout, évidemment, il y a eu tellement de versions. Mais les grandes lignes, je dirais que dans le roman de Jocelyne, c'est vraiment chaque chapitre décrit un personnage. Hein, c'est, donc, et même il y a un chapitre qui est sur la forêt,
un chapitre sur les feux de l'époque. Donc, c'est vraiment une structure atypique qui fonctionne très bien en roman, qui pourrait fonctionner aussi en film, mais qui donnerait, à mon avis, un film plus artistique, peut-être moins accessible au grand public. Et puis quand il y a quand même plusieurs histoires de tisser, je me suis dit, il faut pas mêler non plus les personnages. Et donc, j'ai décidé de construire une histoire plus linéaire pour avoir plus de facilité à suivre tous ces personnages-là. Ce que j'ai créé, que j'ai inventé, qui était pas là, mais parce que le roman, ça se passe sur, je me rappelle pas, 2 ans ou quelques années, ou 1 an et demi. Nous, on l'a condensé. Et donc, j'ai inventé le rituel de la baignade des ermites au lac. Alors, ce rituel-là n'existait pas. J'ai mis un petit peu aussi de mon dada personnel. C'est un de mes top 10 trucs que j'aime faire. Donc, aller au cinéma, oui, bien sûr, mais aller me baigner dans un lac, j'adore. Oui. Et donc, il y a eu de ça, mais aussi, je me suis dit, eux, c'est leur petit rituel. Et donc, pour montrer le temps qui passe, puis leur montrer leurs habitudes de vie, parce que tu peux pas montrer toutes les habitudes de vie dans un film de 2 heures, alors qu'il y a beaucoup d'autres informations sur le parcours des personnages à raconter. Et Jocelyne était-elle impliquée d'une manière... Oui. À la dernière minute aussi, puis ça, c'est grâce aussi à un ami collègue, parce que j'ai eu aussi des gens qui ont lu mon scénario. Puis à un moment donné, je pense que c'est Claude Lalonde qui avait lu mon scénario avant que je tourne le film. Puis il m'avait dit, tu sais, tu as 2 personnages, parce que dans l'histoire, dans le roman, il y a un personnage de Bruno et de Steve. Un qui est le neveu de Marie-des-Neiges, Gertrude, et l'autre qui s'occupe, qui est le gérant de l'hôtel. Et donc, finalement, j'ai fusionné ces 2 personnages-là, parce que les deux... J'avais du mal à faire une vraie courbe. Je manquais de temps à écrire. Et donc, j'ai plongé. Mes 2 productrices m'ont fait, t'es sûre que c'est comme si on allait tourner, là? Et là, je l'ai fait. J'ai fait, faut que j'essaie. C'est une bonne idée, faut que j'essaie. Puis grâce à Claude, je trouve que on est plus concentré sur l'histoire qui est à raconter. Puis, est-ce que tu consultais Jocelyne? Est-ce qu'elle a été impliquée d'une manière ou d'une autre dans le processus? Oui, en fait, Jocelyne a été, je l'ai rencontrée en amont. Évidemment, on a eu quelques conversations parce que moi, je travaille beaucoup en recherche dans les projets sur lesquels je travaille. J'avais besoin d'avoir une vérité. Et elle, le personnage de Gertrude, Marie-des-Neiges, est librement inspiré de sa tante. Alors, je voulais qu'elle m'en parle. Et ses recherches, elle-même a fait beaucoup de recherches sur les feux de l'époque. Sur les ermites, elle connaît, elle a rencontré des ermites en Abitibi. Je voulais qu'elle me parle de ça et de la raison pour laquelle elle a écrit ce roman-là, parce que c'était mon premier public, c'est Jocelyne, c'est son histoire. Comment je peux après, oui, me l'approprier, mais ça part de la base. Je voulais pas le dénaturer. Et après ça, Jocelyne me dit, je te donne carte blanche, tu peux faire ce que tu veux, je te fais confiance. Et ça découle aussi, Jocelyne en a parlé quelques fois, dans le film Gabriel, il y a une scène d'amour, d'intimité entre Gabriel, qui a un handicap intellectuel, et son amoureux Martin. Et c'est une scène assez délicate. Et étant donné qu'il y a une scène d'amour aussi atypique dans Il pleuvait des oiseaux, pour elle, dans le roman, c'était le moment clé qui était à préserver. Et donc, étant donné que j'avais fait ça dans Gabriel, elle a dit, je le sais que tu vas en prendre soin. Et donc, mais moi, après, c'est sûr que je l'appelais pour les chants de cannabis, elle a lu 2 versions de scénario. Elle est venue sur le tournage dans la forêt aussi. Donc, elle demandait pas, mais moi, j'avais envie je voulais qu'elle participe ou du moins qu'elle soit témoin de la construction de ce film-là. Là, on est chez toi, on voit ton chez toi, mais j'ai une question très personnelle à te demander par rapport à l'écriture, parce que tu es réalisatrice, mais tu es aussi scénariste. À quoi ça ressemble ta bulle créative? Quand tu écris, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu consultes des livres? Est-ce que tu écoutes d'autres films? Au contraire, tu t'isoles? Comment tu fonctionnes? C'est une excellente question. J'ai besoin d'avoir une bulle pour me concentrer, puis... Parce que, évidemment, je réalise d'autres trucs, j'ai d'autres projets, j'ai des enfants, mine de rien, ça occupe.
Autre chose, mais c'est parfait parce qu'en même temps, je pense qu'ils me nourrissent beaucoup créativement. J'ai ça, donc je dirais que quand je recommence un projet ou une autre version, puis ça fait quelque temps que j'ai pas écrit, la machine est lente. Alors la première semaine, j'ai appris à devenir indulgente envers moi-même. Les premières journées, c'est pas fameux. Puis je me trouve pas. Mais c'est un muscle aussi, cette affaire-là. C'est un entraînement et il faut le faire. Donc, j'ai besoin d'avoir cette bulle-là. Après, est-ce que je peux regarder des films? Oui, je pense qu'il y a des moments, non. Si je suis dans un moment clé, je pense que je vais juste rester dans cet univers-là. Je vais lire d'autres choses pour me changer les idées. J'aime beaucoup aussi lire des revues scientifiques ou des trucs complètement différents. J'aime tout ce qui a rapport au cerveau et à la neurologie, à la neurobiopsychologie beaucoup. Mais donc c'est ça. Après, ouais, d'abord c'est un rituel. J'ai compris que ça m'aidait d'avoir une habitude d'écriture. Et Il pleuvait des oiseaux, c'était assez particulier parce que c'est un film. Moi, j'habite dans une ville, c'est bétonné. J'avais vraiment des images de la forêt. J'ai grandi aussi en partie dans une forêt, alors c'est sûr que j'avais des réminiscences de mon enfance. Mais donc, quand j'écrivais, j'adorais être dans cette plongée avec ces gens-là. C'était mes amis, les personnages. Quand après, dans la journée, je sortais de chez moi, je marchais, puis on dirait que je marchais sur de la mousse. C'était vraiment un état particulier. Ça m'était pas arrivé avant, mais ça, c'était vraiment particulier. Alors oui, j'ai des rituels. Oui, ça derrière, c'est deux œuvres. J'ai d'abord deux œuvres de Marc Séguin qui a peint les toiles, dont une. Il a fait, lui, une série de 25 portraits, trois par année. Puis lui, ben, je vous le montre parce que c'est Orson Welles, en fait. Ah oui, wow! Très intéressant. Bien, on va en parler de Marc un petit peu plus tard parce que c'est ça, les toiles qu'on voit dans ton film, c'est lui qui les a faites, sont vraiment magnifiques. Ouais. Ils ont une présence très, très forte. Ils parlent énormément. Puis tu termines le film avec ça. On va y revenir tantôt. Là, on est toujours à l'étape de l'écriture. Quand tu écris, tu disais déjà que tu as des images, tu as des sensations. Au niveau des acteurs, des actrices, est-ce que tu y penses déjà? Est-ce que tu écrivais les rôles pour ceux que tu as choisis? Est-ce que tu avais déjà en tête André Lachapelle, Gilbert, Scott, Rémi et Gérard? Pardon. J'ai... Oh! J'ai le doigt. Les doigts du direct. André Lachapelle, je l'ai eu très tôt dans le processus en tête. Mais en fait, probablement dès le départ où ça a été, oui. En même temps, il fallait que je me fasse à l'idée que c'était peut-être pas André qui allait l'incarner pour différentes raisons. On l'approchait assez tôt dans le processus. André, juste pour faire une histoire, une parenthèse sur André, c'était dans les dernières années son roman préféré. Elle a eu un gros coup de cœur sur ce roman, pour ce roman, puis elle l'a offert régulièrement à ses amis dans des cadeaux d'anniversaire et tout ça. Et donc, quand je lui ai proposé ce rôle, autant qu'elle avait arrêté de jouer, elle vivait un moment de deuil, elle venait de perdre son amoureux d'un cancer, ça a été très difficile pour elle, puis elle était fatiguée, elle voulait plus jouer. Puis là, elle a fait, ben il faut que je le joue. C'est ce personnage-là, ça sera mon dernier rôle, mais il faut que je fasse ce projet-là. Et moi, je la croyais pas que ça allait être son dernier rôle, évidemment, parce qu'elle est tellement pleine d'esprit et drôle et humaine. Mais bon, alors ça c'est pour André. Mais il fallait penser à un plan B, parce que s'il arrivait quelque chose à André, mais c'était très difficile de trouver. Moi, j'avais pas envie de penser à un deuxième choix. Et Gilbert est venu relativement tôt dans le processus. J'ai travaillé avec Gilbert sur une série télé qui s'appelle Catastrophe, qui joue un père qui est insupportable et qui commence à faire l'Alzheimer. Et j'ai adoré travailler avec lui. Et Gilbert est plus jeune que ce que j'imaginais quand j'écrivais. Et ce qu'il y a dans le roman. Mais quand aussi j'avais cette image, alors il y a un film québécois qui s'appelle Le Vendeur de Sébastien Pilote. Oui. Gilbert est la tête d'affiche de ce film. Et il y a un moment donné, un changement. Il vit un drame et on voit le changement physique, psychologique du personnage et donc de Gilbert aussi. On dirait qu'il prend 10 ans à l'écran.
Et c'est, à mon avis, il est criant de vérité. Puis j'ai fait, je pense qu'il pourrait jouer ce personnage-là. Et donc, j'y ai proposé le rôle. Il l'a lu. M'a appelé souvent. Il a dit, oui, je veux le faire, mais le lac, c'est noir, hein, le lac. Puis là, il y a beaucoup, beaucoup d'appréhension, d'inquiétude. Il dit, les ermites, c'est en forme, hein, il faut que je m'entraîne. Avec bûcher du bois, que... moi j'habite dans une ville, je suis urbain. Alors là, c'est vraiment mis dans le mode de Charlie, c'est transformé pour le personnage. Tandis que pour Rémi Girard, j'avais pas pensé du tout à Rémi. C'est lui qui est venu à moi et j'en remercie chaque jour maintenant de cette rencontre. Mais au départ, je cherchais quelqu'un qui avait l'air plus vieux, plus abîmé d'alcool, et il fallait aussi qu'il chante et qu'il joue de la guitare. Alors, trouver cette équation-là, on approchait différentes personnes pour en nommer un, comme ça. La première personne, c'était Plume la Traverse. Oh my God, Plume! Wow! Ouais, la directrice de casting a dit, bon, et il a été ouvert, bien qu'il était en année sabbatique, il ne voulait pas travailler, ou en tout cas, du moins, il peignait. Il a lu le scénario tout de suite le lendemain, puis il a fait « Ben, c'est beaucoup trop gros pour moi, je serais pas bon du tout, du tout. » Puis après ça, il regardait les chansons à chanter de Richard Desjardins. Il demandait à Richard Desjardins, « Moi, je serais pas bon pour chanter les chansons des autres. » J'ai insisté un peu, mais il avait peur. Il avait peur du jeu. Puis je comprends, c'est pas son premier métier. Et donc, j'ai approché différentes personnes, des gens qui me disaient « Ben non, je fais de l'arthrose, j'ai accroché ma guitare. » Et alors, j'ai approché des gens en Europe. Et donc, après ça, on s'est fait, ben, est-ce que j'enlève la musique du personnage? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et Rémi Girard est dans la même agence artistique que moi. Rémi me fait envoyer deux chansons qui sont dans le scénario. Une de Richard Desjardins et l'autre de Tom Waits. Et là, guitare, voix. Puis je fais, le petit Vlimeux, il est bon. Donc, j'envoie le jour même le scénario. Le jour même, il lit. Je pense le lendemain ou il y a deux jours après, on se rend compte. On se met à parler. Pendant, là, j'ai pas dit t'as le rôle. On se met à parler. Je dis, mais t'es Rémi, je te trouve, t'es un excellent acteur, évidemment. J'imaginais plus vieux, l'acteur. Il dit, ben, je vais avoir 69 ans, je suis vieux. Et là, mais je l'imaginais comme maigre, alcoolique. Il dit, bon, peut-être que je serais pas maigre pour le rôle, mais je te jure, je te promets, c'est moi, le personnage. Je vais souvent dans le bois, je fais de la pêche, puis il me décrit sa vie. Puis après, on se met à parler de la musique au cinéma, ou du moins quand quelqu'un qui chante ou qui joue de la musique, on s'est mis à parler du film Gabriel, la façon que ça a été fait pour les gens, l'entraînement de ça, la préparation. Et on se met à parler des gens qui ont un handicap intellectuel. Il se met à parler de son fils qui a un lourd handicap intellectuel et physique, Rémi qui est père monoparental. Et là, on s'est mis à parler de la vie, nos enfants, la vie de... pendant une heure et demie de temps. Puis à un moment donné, qu'on en avait les petites larmes aux yeux, puis on a fait, ben c'est ça. C'est ça. Il dit, je veux faire. Puis il a été d'une générosité sans nom. Il y a eu vraiment une rencontre. Rémi et Gilbert avaient à peu près jamais travaillé ensemble. Ils se connaissaient pas ou peu. Mais de vivre dans la forêt, vraiment vivre dans la forêt. Et donc, il s'est créé avec André Lachapelle une amitié profonde, une ouverture de par ce qu'il y avait à jouer, mais aussi, comment dire, d'accepter l'autre comme il est, d'avoir cette espèce de « je suis là pour toi ». Qu'est-ce qui se passe? Puis juste d'être présent, j'ai senti vraiment une grande, grande complicité et un amour naissant et grandissant entre eux. Et ça a été vraiment, vraiment formidable. Wow! Tu as parlé de la forêt. La forêt est très importante dans ton film. Comment tu as choisi la forêt Montmorency, qui est au nord de Québec? Pourquoi c'était le bon endroit pour le tournage? Parce que je crois qu'il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Là, vous étiez vraiment dans le bois, là. Oui, on était vraiment dans le bois. Et en fait, c'est à force de, en cherchant des lieux de tournage, surtout une forêt, tu cherches une forêt avec pas trop d'intervention de trafic, d'électricité et tout ça. C'est très difficile. Il y a des forêts ici qui sont protégées où on appelle les parcs nationaux, la CEPAC au Québec, c'est comme ça que ça s'appelle. Ben,
Oui, on pouvait, mais c'était difficile. C'est l'été, il y a des gens. Nous, il fallait construire des cabanes. Ma recherchiste de location, qui est extraordinaire, qui s'appelle Patricia Durocher, qui fait tous mes projets, à un moment donné, elle me parle de cette forêt et qui était à peu près à 4 heures de Montréal en s'en allant vers Chicoutimi. Donc, c'est le début de la forêt boréale. C'est vraiment du conifère. Et c'est une forêt protégée. Il y a beaucoup d'expériences scientifiques qui se font là. Et donc, eux acceptaient un tournage et on est allé voir. Et donc, finalement, quand on a fait le repérage, c'était au printemps, du moins au mois d'avril, mais on était en skidou puis en raquette, là, il y avait 6 pieds de neige. Là, il fallait voir, puis là, il y a le gars qui travaille là, nous montre un lac. Il dit, ben ce lac-là, il serait bien, tu pourrais construire une cabane là. J'étais comme, on est en raquette. Là, tu fais comme, là, je dis, ben, est-ce que l'eau est chaude pour se baigner? Là, tu pars de loin. Et pendant un bon moment, on peut pas aller dans la forêt parce que, comme on dit, ça cale. Et donc, même en 4 roues motrices ou avec des pick-up, c'est pas possible parce qu'il y a trop de boue et on cale. Alors, on est allé assis sur le tard au mois de juin, revoir. Et donc, on a défini, mais là, finalement, c'était pas si simple. Et on a découvert, entre autres choses, qu'il y a des sangsues dans l'eau. Et donc, mais moi, j'ai mes personnages, il faut qu'ils se baignent dans l'eau. Et là, tu fais comme... Puis, on peut pas rien mettre. Il y a des trucs de blocs de sel pour éloigner les sangsues, etc. Mais étant donné que c'est un endroit préservé, on peut pas faire d'intervention, mis à part prendre un petit filet, des fois, pour enlever les sangsues. Donc, on est allé avec ça et les acteurs, ils ont été super courageux. J'ai quand même triché le lac pour la baignade, l'apprentissage de baignade pour Marie Desneiges et Charlie. Le lac était assez profond où on était dans la forêt Montmorency. Alors, on est allé dans une autre région, Thetford Mines. Okay. Ah oui! Triché le même lac. Et là, c'est peu profond avec un fond sablonneux. Puis on a essayé de trouver un endroit accessible où le paysage, la forêt était ressemblante, du moins. Donc on peut le tricher. Donc on a fait ça. Donc on a profité pour tourner à Thetford Mines, d'autres trucs, le bar, le cimetière, la maison, une autre maison. Donc on a vraiment c'est ça. On a tourné dans la forêt Montmorency, à Thetford Mines et l'auberge qui est dans la forêt, dans l'orée de la forêt. Ça, on l'a tourné dans la région du parc du Mont-Tremblant parce qu'on n'en trouvait pas dans la région de Québec ou autour. Alors, on est allé vraiment dans une autre région. On a triché ces 3 endroits-là pour n'en faire qu'un à l'écran. Ah, la magie du cinéma, on y croit. On y croit tellement quand on voit le résultat. C'est ça qui est incroyable. À tous ceux qui nous écoutent, gênez-vous pas de nous poser des questions via la plateforme que vous écoutez, puis ils vont m'être retransmis. Je vais pouvoir les poser à Louise. On parlait d'André, de Gilbert et de Rémi. C'est d'immenses acteurs au Québec, là. C'est des très grosses vedettes qui ont une carrière, mais on peut terminer pour Gilbert et Rémi. Comment on fait pour diriger des acteurs qui ont autant de métiers? Est-ce qu'on a besoin de quand même leur dire, juste parce qu'on a une idée en tête, mais comment on les dirige, des acteurs de ce calibre-là? De la même façon. Je trouve, au fil du temps, j'ai travaillé un peu en anglais, je travaille avec des enfants, j'ai travaillé avec des gens qui ont un handicap intellectuel. À un moment donné, bon, les chiens, c'est un peu différent, mais... tu te rends compte, au début, tu peux faire, même tu te rends compte dans le processus, c'est vraiment un dialogue à avoir, parce que moi, j'ai pas la vérité, je sais pas, là, on invente l'histoire, on invente les personnages. Il y a un peu, dans ce cas-ci, un peu de Jocelyne Saussier, il y a un peu de mon interprétation, et après, il y a la personne qui va incarner ce rôle-là, qui a aussi du sien à donner, à dire, de son histoire à raconter, qui fait que ça crée un personnage, une entité de ce personnage-là. Donc, c'est des conversations en amont, à partir des conversations. Après ça, c'est une lecture ensemble. Ce sont des répétitions de trouver c'est quoi quelle est la bonne intention de cette scène-là, des réactions à avoir. Puis c'est un dialogue à avoir, je pense, tout le monde ensemble. Puis après, sur le plateau de tournage, mon rôle, c'est d'être la gardienne de cette histoire-là. Donc, après, j'aime bien essayer des trucs.
les acteurs ou les actrices qui n'ont pas peur sont peut-être plus confortables là-dedans parce que, mais sinon, mon rôle, c'est de les rendre confortables. Et je trouve que plus un acteur est à l'écoute de ses partenaires de jeu, meilleur il est ou elle est parce qu'elle n'est pas dans son ego. Ils sont capables de laisser ça de côté puis d'être juste concentrés sur son personnage puis ce qu'il a raconté. C'est pas sur « est-ce que je suis bien éclairée » ou bien… Ouais, ouais, ouais. Et donc, ça, c'est vraiment quand on se rend là, et ça a été le cas avec Il pleuvait des oiseaux, avec ces acteurs-là, mais ils ont besoin d'être dirigés. Si tu me poses la question, par exemple, à Gilbert ou à Rémi, je pense que, je ne peux pas parler pour tous les acteurs, évidemment, mais ils aiment avoir un point de vue clair. Après, on peut douter puis réfléchir, mais on le fait ensemble. Mais de les pousser plus loin, moi, je suis assez... exigeante. Rémi, je l'ai poussé. Par exemple, si c'était une scène où il allait plus drôle, j'étais comme, je le ramassais plus petit, puis il y allait, là. Mais il était très généreux dans ces échanges-là. Il n'y avait pas peur. Puis moi, j'avais pas peur de lui dire. Alors, quand il y a une confiance, c'est ça, je pense, c'est la confiance, quand ça s'établit et on pense qu'on est dans la même histoire, le même film, je pense que c'est ça le but. Ouais, on change pas le monde, hein? On raconte une histoire ensemble. C'est pas... Exactement. Exactement, puis c'est ça qui est magique encore au cinéma, c'est toujours de raconter une histoire. La technologie évolue, mais ça reste toujours de raconter une histoire. On a une question, combien de temps ça a pris pour le tournage? J'aurais pris vraiment beaucoup plus de temps, mon équipe aussi. Alors, j'ai un karma, souhaitez-moi d'avoir plus de jours de tournage. J'avais 26 jours de tournage, ce qui est très peu dans le cas qu'on tourne dans trois régions distinctes et dans une forêt avec pas d'électricité, pas d'eau courante et des personnes, des fois, qui, André, marchaient moins vite, là, disons. Donc, c'est sûr que c'était très court pour un film de cette ampleur-là. Mais on fait avec, on a le privilège ici d'être financé pour raconter nos histoires. Alors, on trouve toujours des solutions. Merci à Catherine Thomas pour cette question. Bon, il faut qu'on parle absolument un peu plus d'André Lachapelle. Au moment du tournage, elle avait quel âge? Elle allait avoir 87 ans. 87 ans. Elle nous a quittés malheureusement le 21 novembre 2019. C'est vraiment une de nos grandes dames de nos écrans, de la scène aussi au Québec. Parle-nous du tournage avec elle parce qu'il y a plusieurs moments où est-ce qu'elle a douté qu'elle était capable de se rendre jusqu'au bout. Ouais, André, c'est très émouvant de parler d'André. C'est quelqu'un qui m'est très cher encore. C'est une pionnière. C'est quelqu'un, si on parle aussi par rapport au rôle qu'elle a eu, si je parle avant du tournage, mais j'ai vu l'impact, en fait, j'ai compris pourquoi. Le rôle qu'elle a eu dans notre société au Québec en tant que femme, comédienne, de faire sa marque comme ça, d'élever trois enfants, parfois seule, jamais dans l'amertume, jamais dans, toujours dans le moment présent, toujours dans la générosité, dans l'humour, dans le rire, dans la curiosité de l'autre. Et je trouve que c'est un legs qu'elle nous a donné, du moins à moi. Et j'essaie après ça, moi, de l'amener à d'autres. Donc, ça a été palpable sur le tournage. C'est vrai qu'André, elle était fatiguée. Nous, en amont, on la forçait. On disait, il faut que tu ailles prendre des marches. Elle bougeait plus, elle faisait plus rien. Mais elle avait toute sa tête, toute son intelligence encore. Et donc, parler avec elle, c'est toujours un charme. Mais physiquement, elle avait pas envie de bouger. Puis on lui disait, tu sais, André, ça va être difficile dans le bois. Là, quand tu marches, c'est pas facile. Et donc, ça a été autant qu'elle était, en guillemets, paresseuse de ça, autant qu'elle avait, c'est sûr qu'elle voulait y aller, mais elle nous disait avec un certain humour, je vais me rendre à la moitié, je sais pas, je vais me rendre à la fin. Mais pendant le tournage, elle a habité quand même avec nous dans la forêt. On avait un endroit où c'est plus pour des étudiants en foresterie qui habitent là, puis c'est des petites chambrettes qui sont assez minimalistes, très monacal, avec la salle de bain vraiment là à un kilomètre de couloir. Puis au début, il n'y avait pas d'électricité même là, les premiers jours. On a acheté une lampe frontale à André qui apprenait ses textes. Mais André, elle aurait pu aller à l'hôtel. Il y avait un hôtel, mais c'était quand même loin. Ça aurait été une heure et quelques de route aller et revenir chaque jour. Et elle dit non, moi, je veux ma chambre entre toi, Louise, et entre Ginette, puis avec un petit pot
pour faire pipi la nuit. Et donc, ça a été ça. Et avec des matelas complètement inconfortables, elle avait mal à la hanche, mais elle l'assumait jamais, elle s'est plainte. Elle était heureuse, en fait. Elle était heureuse d'être, comme elle disait, avec ses camarades. Elle, c'était vraiment une passion, le jeu, et d'être en groupe. C'est quelqu'un qui était très, qui aimait être en bande. Et donc, c'est vrai que plus ça allait, puis plus au début, elle était plus essoufflée. Apprendre les textes, elle s'est rendue compte que c'était difficile. Jamais ça lui est arrivé dans sa vie. Mais là, tout était au ralenti. Mais moi, j'ai dit, moi, je vais aller à ton rythme, André. On va aller avec ça. Parce qu'elle comprenait le personnage. Elle comprenait ça parce que c'est quelqu'un qui est très généreux. Elle était très généreuse avec ses partenaires de jeu. Donc, tout de suite, quand on disait action, poum, elle est tombée dans son personnage. Puis c'était criant de vérité. Des fois, c'est quoi mon texte? C'est quoi mon texte? Et là, on lui disait, là, action, poum. C'était là, puis c'était... Tu sais, avoir des frissons, là, c'était vraiment... Et évidemment, ses partenaires de jeu étaient d'une grande générosité aussi. Donc, ça s'est fait tranquillement. Puis, à la mi-parcours, parce qu'il fallait aller comme en petit quatre roues, là, aller dans la forêt où est-ce qu'on avait construit les cabanes, c'était loin. Et mais à un moment donné, pour embarquer André sur un quatre roues, tout ça, c'était quand même le défi. Ouais. Mais à la mi-parcours, elle était comme la jambe qui allait. Je disais, mais là, André, t'es trop en forme, là. Ton personnage, là, dit vraiment moins, elle vient de sortir de la psychiatrie, là. Donc, on riait beaucoup. Puis, à plusieurs reprises, André, pendant le tournage, c'est très émouvant. Puis, c'était très sincère. Puis, elle nous remerciait. Elle dit, merci, vous m'avez redonné la vie, le goût de la vie. Ah, wow! Puis, la vitalité, puis on le voyait. Et donc, puis évidemment, à la fin, tout le monde pleurait quand c'était son dernier jour de tournage, puis elle aussi, mais elle était fière. Elle était fière d'avoir passé au travers. Puis moi, j'avais pas la conscience. J'étais certaine qu'elle allait passer au travers, mais je me rends compte après coup que oui, c'était difficile. Mais c'est ça. C'est parce qu'étant donné qu'elle avait tellement d'esprit, puis tellement vite toujours que... t'as l'impression que le corps il suit autant que l'esprit, mais pas nécessairement. Et donc, c'est un deuil à vivre. Tu sais, par exemple, la natation, là, tout le long, tu sais, elle me disait, là, je dis, André, t'es sûr, là, on a trouvé un endroit, c'est moins profond, tu sais, ça va être correct, on peut prendre des pauses, mais t'es sûr, j'ai loué des chalets toute ma vie à la campagne avec mes enfants, le lac, je connais ça tout le temps. Et on est arrivé dans l'eau, elle s'est mise à nager, puis elle s'est mise vraiment paniquée. Ce qu'il y a à l'écran, c'est vrai. Oh. Et puis là, on a été étonnés. Puis là, après, elle fait... Parce qu'elle avait vraiment mal à une hanche, alors elle avait de la difficulté à bouger. Puis là, ça a été une frustration après. Le deuil de... Les morceaux ne suivent plus comme je voudrais. Ma tête veut, je sais comment ça fonctionne, mais mon corps ne suit pas nécessairement. Puis c'est un apprentissage de la vie, hein, ça. Tu fais comme, OK. Mais après ça, je pense qu'elle le fait, puis elle a été contente. On le fait en deux temps. Mais, tu sais, chez l'André, on le fait pas. Si tu veux, je vais trouver d'autres scènes. Je vais inventer autre chose. Si tu n'as pas envie de faire la baignade, on fait autre chose. Je vais trouver, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un matin qu'elle a fait, non, je veux le faire. Elle avait envie de elle trouvait que c'était beau pour le personnage. Puis elle savait qu'elle pouvait le faire. Puis ça a été un moment magique, je dirais. Puis une autre scène qu'il faut absolument parler, c'est la scène d'amour. Parce que André, je pense, elle n'avait jamais tourné de scène de ce genre-là. Puis il y a plusieurs anecdotes, entre autres, par rapport à la poche de thé de Gilbert Scott. Peux-tu nous raconter comment cette scène-là, vous l'avez construite? Bien alors, évidemment, la scène d'amour, on a de ces deux personnages c'est ça, à un moment donné, ils font l'amour. On est dans la forêt, dans une cabane, c'est humide. Et donc, et tout le long du tournage, il faut dire qu'on appelle cette personne, c'est comme un infirmier, on appelle ça un médic. Une personne qui était attitrée en cas, particulièrement pour André. Alors, on était loin dans la forêt. S'il arrivait quoi que ce soit, la personne, elle était là pour tout le monde, mais spécifiquement pour André, pour venir en aide. Et le jour J, on tourne la scène d'amour, on arrive pour tourner la scène d'amour et le médic vient me voir puis il me dit, Louise, tu peux pas tourner ta scène, là. Ah. Dit, André, ça va pas du tout. Alors, elle était tellement nerveuse que sa pression était très, très, très élevée. Puis j'ai fait, ben on va trouver autre chose, on fera pas ça maintenant, il y a pas de souci, on va s'adapter à André. Puis donc, c'est ça, ça la rendait très, très nerveuse.
bien qu'on avait fait des répétitions en amont à Montréal sur un matelas de camping trop mou, était plus capable de se relever après, mais déjà d'être dans l'intimité avec Gilbert Scott. Et bon, ils faisaient leurs textes comme ça, moi, avec de cadrer, de savoir comment on les cadre sur un lit, etc. Donc, on avait ri beaucoup, on avait déjà comme élucidé un peu la manière qu'on allait le faire. Mais arrive le jour J, donc ils sont nus et quand on tourne ces scènes d'intimité, c'est équipe réduite qui sont là. Et pour les hommes, on appelle ça dans le jargon des poches de thé. Alors, c'est parce que c'est gros comme une poche de thé. Alors, bonne chance pour rentrer tout ça. Et donc là c'est beige. Et pour les femmes, ben, c'est juste une petite culotte, tout petite, beige aussi, pour avoir plus de malléabilité. Puis en même temps, pour que les acteurs se sentent quand même une petite... Protection. Protection. À un moment donné, André, elle fait comme au début, elle trouvait ça complètement inconfortable, puis elle dit, tant qu'à faire, on peut tout enlever. Alors, ils sont mis tout nus. Et là, puis évidemment, les deux ont fait, bon, je suis vieux, je suis vieille, j'ai des cicatrices partout, puis bon. Puis moi, je leur disais, je vous promets, je veux faire des sex symboles 2020 de vous deux. Je veux que sur les couvertures de magazines. On fasse wow, tu sais. Puis, ben avec sa barbe, il y avait un look. Mon directeur photo disait toujours, bon, tabarnak, on dirait Clint Eastwood. Alors, c'est vrai qu'il y avait une belle gueule burinée et tout. Ah non, puis excuse-moi, mais la voix de Gilbert aussi. Il l'a transformé. On fond quand on entend Gilbert. Là. Il avait fait la narration pour Léolo. Je veux dire, quelle voix formidable, là. Très chaude, etc. Ouais. Donc, c'est ça, on se met à tourner cette scène et évidemment, c'est pas facile parce que la direction artistique, ils pensent pas toujours aux acteurs. Alors, ça paraît bien. Comme ça, on a fait au moins plus grand qu'un lit simple, un lit trois quarts simple, parce que c'est quand même un ermite qui habite là, c'est pas si grand. Ouais. Mais c'est sur des boîtes un peu brinque-ballant. Mais André, qui a mal eu une hanche, il n'est pas capable de se déplacer, donc on cadre, puis c'est pas nécessairement si joli. Moi, je veux qu'elle soit bien cadrée. Et donc, à un moment donné, bouger, c'était pas facile. On était peu dans la cabane parce que toute l'équipe est dehors. Donc, c'était Gilbert, qui s'est fait opérer d'ailleurs aux deux épaules. Gilbert prenait, André était comme, Gilbert, tasse-moi. Et donc, là, il apprenait, prenait le bassin, il attassait sur le lit. Et donc, à travers cette intimité-là, on a beaucoup ri. Et pendant le tournage, parce que j'ai quand même fait plusieurs scènes d'amour au fil des années dans différents projets, et j'ai pris l'habitude ou j'ai trouvé cette technique. Je suis comme une vendeuse d'encan et je parle tout le temps pendant le processus. Et je demande aux acteurs s'ils aiment ça ou pas, mais ils aiment ça, en tout cas du moins dans cette scène-là, parce qu'il fait s'abandonner à l'autre. Alors moi, je vais comme, OK, Gilbert, glisse ta main gauche dans le dos d'André. Non, l'autre gauche, OK, plus haut, plus doux. Parce qu'ils ont souvent peur, les acteurs, de pas brusquer ou trop brusquer, ou tu sais. Donc, tu essaies d'avoir quelque chose. Si moi, je leur dis, c'est parce que ce que je vois à l'écran et à l'œil, je sais qu'on peut aller jusque-là. Tu sais, je veux prendre soin des acteurs, des actrices, je veux qu'ils se sentent bien, je veux aller avec eux ce qu'ils ont envie. Donc, étant donné qu'on en a parlé beaucoup avant, je suis capable de jauger. Puis je vois à l'écran si c'est beau ou pas. Donc, je parle et là, je vais dire, OK, André, embrasse Gilbert. Ah non, un vrai baiser, embrasse. Puis là, je vais aller. Puis donc, après ça, je vais dire, OK, descends, enlève le drap, mais plus. Et le chef opérateur, le directeur photo et le pointeur, celui qui fait le focus, ils m'entendent aussi. Donc, ils savent où aller avec la caméra et les acteurs aussi, mais ça rentre à un moment donné dans l'inconscient. Puis Gilbert l'a bien décrit une fois, il dit, on dirait que c'est comme un ballet, puis on se laisse guider là-dedans. Tu me voles les mots que j'allais dire, c'est un ballet à cinq. Vous êtes cinq à danser en même temps. Bon, le monteur aime moins ça. Ah, ben oui. Ça enlève ma voix, c'est fatigant. Puis moi, je déteste m'écouter. Mais ça fonctionne parce qu'on peut peut-être aller un peu plus loin dans l'émotivité des images et du moment.
Le temps file, si vous voulez poser des questions à Louise, c'est le moment, profitez-en. On va rester avec André et Gilbert qui ont remporté le prix d'interprétation l'an passé au Gala Québec Cinéma, qui est l'équivalent des Césars en France. Le film a gagné le prix du public. Tu as un lien très, très solide avec le public québécois. À chacun de tes films, c'est vraiment des gros succès. Qu'est-ce qui fait que le cinéma de Louise Archambault rejoint son public? Et si on avait la recette, là, je pense qu'on ferait tuk, 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 tuk. Je pense que l'art, la création, le cinéma, la littérature, il y a pas de recette. Hein. C'est à chaque fois, on se lance dans le vide. Il y a une histoire qui nous interpelle et on trouve des collègues qui ont envie de la raconter aussi avec toi. Puis on fait du mieux qu'on peut avec ses failles. À un moment donné, tu lâches prise, tu le laisses aller, puis t'espères que cette histoire-là a une résonance avec les autres. Comme moi, quand je vais voir un film, puis que j'ai envie de remercier les gens qui l'ont fait, puis la personne qui l'a réalisé, parce que ça me fait du soi, ça me fait du bien, ça provoque des idées. Tu sais, c'est ça aussi, cet échange-là. On aime ça, je pense, depuis le début des temps, de raconter, puis de se faire raconter des histoires. Comment le faire? Écoute, je sais pas. C'est à chaque projet, on plonge dans le vide, je pense. Oui, puis surtout, en plus, toi, Gabriel, c'était pas gagné d'avance. S'il pleuvait les oiseaux, c'était pas gagné d'avance. Oui. Ça a été des gros succès à chaque fois. Il y avait des oiseaux, là. Je pensais pas du tout, là. Surtout, à téléfilm, il disait, pourquoi tu veux faire ce film-là? Fais tout de suite Merci pour tout. C'est bon, c'est pas moi qui ai écrit le scénario, mais c'était une comédie. Ouais. En public. Fais ce film-là, il pleuvait des oiseaux, qui faut aller voir ça? Puis c'est là que je leur ai dit, ben non, je vous dis, je veux faire. Je trouve que c'est un film important qui dit quelque chose, je vais le rendre accessible, mais jamais je pensais qu'il allait être reçu aussi chaleureusement auprès du public. On revient aux deux toiles qui sont derrière toi. On va parler de Marc Séguin. Marc Séguin qu'on a reçu au festival, la dernière édition qui a eu lieu à Florac en 2019. On va présenter ces deux longs-métrages dans notre ciné-club au mois de mai. Parle-nous de ta collaboration avec lui. Comment vous avez procédé? Est-ce qu'il a vraiment créé du matériel pour le film ou il a repris certaines toiles qu'il avait déjà faites? Il a créé une collection, en fait, pour Boychuk. Oh, wow. Il s'est mis dans la peau de Boychuk. Il est parti à New York dans un atelier, puis il a pondu ça. Et quand j'écrivais le scénario, évidemment, moi, je voyais vraiment des images, puis je voyais des images aussi. Puis c'était un défi, hein? Ça a l'air de rien comme ça. Mais quand, en tout cas, du moins pour moi, au cinéma, tu as des personnages, tu as une histoire, tu racontes le passé, tu as des images d'archives, tu as des photographies, tu as de la peinture. Filmer de la peinture, c'est très, très difficile. Ça me faisait peur. Mais quand je m'imaginais Boychuk, la façon que c'était décrit l'étoile, entre autres dans le roman de Jocelyne Saussier, j'avais deux références qui me revenaient tout le temps. Et c'est Marc Séguin. Marc Séguin, je pense qu'en 2013, il avait fait une collection, une série, en fait, qui s'appelle Forêt. S'intitule Forêt. Et c'est vraiment une série avec de la forêt brûlée. Et Marc m'a raconté, quand on s'est vu, que cette série-là, en effet, lui a été pris à un moment donné dans la forêt. Il était en chaloupe et il y a eu des feux de forêt. Il était coincé là. Et c'est après, c'est une série qu'il a créée, qui est très, très belle. Et j'avais aussi comme référence William Turner, et qui est le peintre qu'on connaît, qui a fait des trucs aussi avec la nature très, très forte, qui frôle l'abstrait, très puissante. Et donc, quand est venu le temps de produire, de faire le film, mes productrices, j'ai dit, ben il faut trouver quelqu'un pour peindre des toiles de Boychuk. Ça va être qui? Ce sont mes références, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, mes productrices, ça a été instantané. Ben, on va demander à Marc Séguin. J'ai dit, ben non, il est bien trop occupé. Il fait des films, il peint, il a une ferme, il écrit dans le journal, il écrit des romans, il a 4 enfants. Jamais il va dire, ah oh, ben oui, je vais aller travailler sur le film de quelqu'un d'autre. Eh bien, on a envoyé au départ le roman de Jocelyne. Il l'a lu, puis il a fait OK. Puis il voulait me rencontrer, on se rencontre. Puis il a fait, ben Jocelyne Saussier, elle s'est inspirée de mes toiles pour écrire ça. Puis je dis, ben Jocelyne, elle ne te connaissait pas avant que j'en parle de toi. Et là, quand Jocelyne a vu l'étoile de Marc, elle dit, ben, c'est exactement ce que j'avais en tête quand j'écrivais.
Ah, c'est incroyable. Cosmique. Et là, on s'est mis, Marc et moi, à jaser du personnage de Boy Chuck, etc. Parce que, évidemment, Marc, il y a une technique, il est peintre. Boy Chuck, c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui a une blessure puis qui a besoin de la sortir. Il peut pas avoir une dextérité aussi fine que celle de Marc. Et donc, il comprenait très, très bien. Et Marc, lui-même, lui me dit, c'est sûr que plus tard, je vais devenir ermite. Parce qu'il y a un peu ça, il est un peu sauvage. Oui, oui, oui. Et donc, il s'identifiait complètement au personnage. Puis il dit, tu sais, tu peux me dire tout ce que tu veux, je sais c'est quoi faire un film, puis tout ça. Puis je fais, me semble qu'on peut dire ce qu'on veut à Marc Séguin, tu sais. Et on en a ri. Il part faire la production, puis il m'envoie quelques ébauches qui n'étaient pas finies. Puis là, je fais juste me donner un commentaire. Ah, il me semble que ça peut être un peu plus ténébreux. C'est excellent, excellent. Puis là, il m'écrit genre, ah, tu sais, si tu veux que ce soit quelqu'un d'autre, les fâches, je comprends. Là, j'ai fait, bon. J'ai dit, tu as une carte blanche. Fais ce que tu veux. J'aime ça ce que tu fais. Tu comprends le personnage. Et donc, il est arrivé. Là, il trouvait ça trop difficile, je pense, de travailler au Québec. Il est parti dans son atelier à New York s'isoler. Et donc, il nous a donné ces toiles-là. On les a payées, là. Mais je veux dire, et là, il a dit, il faut qu'elles vivent. Pas besoin d'en prendre soin. Il faut que ça soit dans le bois, puis c'est correct, que ça soit sale. Puis lui, il voulait vraiment que l'univers de Boy Chuck soit c'est vraiment imprégné. Il nous a donné ses pinceaux avec lesquels il a travaillé. Ah les, oui, wow. Les guenilles, tous les linges, là, les chiffons. Et qu'on a mis vraiment dans l'atelier qu'on a construit, nous, dans la forêt. Donc, on avait vraiment une partie de Marc dans Boy Chuck, le personnage de Boy Chuck. C'était très émouvant. Et quand on s'est mis à filmer l'étoile, un truc que j'avais pas perçu, et mon directeur photo non plus au départ, c'est qu'il y a une façon de peindre qui fait qu'à un moment donné, il y a des moments plus clairs, et on dirait que c'est comme la lumière, je vais y aller clichés, là, la lumière de Dieu qui passe. Il y a comme des trucs, et au cinéma, ça crée une luminosité pour ces toiles-là. Elles ne sont pas toutes mates. Il y a vraiment des idées. Et donc, c'est en les filmant qu'on a fait « wow », on a eu des frissons. Et donc, je ne pourrais jamais remercier... Marc, ça a été vraiment l'extension de ce que j'avais en tête, et même mieux, et pour Jocelyne aussi, je pense. Alors ça, c'est... Mais c'est ça qui est magique, c'est la littérature, le cinéma et la peinture, vraiment le mélange de tous ces arts-là ensemble, c'est vraiment magnifique. On arrive presque à la fin, je lance un petit segment cette année au festival qui est tout nouveau. J'ai demandé à vous toutes et tous d'écrire une question à un autre réalisateur qu'on va avoir durant le week-end. Et Louise, tu m'as écrit une question pour Jeanne que je vais lui lire cet après-midi. Là, j'ai la question de Jeanne. Donc, ça s'appelle « La question d'une réale à une réale ». Et Jeanne Leblanc, qui a réalisé les nôtres qu'on présente un peu plus tard aujourd'hui, sa question, c'est « Te rappelles-tu la première histoire qui t'a fait rêver ou qui t'a donné l'envie primitive ou inconsciente de raconter à ton tour? » Elle n'est pas loin de moi, hein, dans ces questions. C'est vrai. Jeanne, si t'écoutes, c'est vous, hein, le cosmique, non? Oui, oui. J'aime beaucoup Jeanne. Il y a la première. Ça, c'est difficile. Que moi, j'ai eu envie de raconter des histoires. Ben, moi, ça s'est venu sur le tard, me donner le droit de raconter des histoires. Ben, moi, j'avais des grands-parents qui étaient amoureux fous du cinéma, qui s'étaient fait une salle de projection chez eux. Ah, oui. Et mon grand-père filmait en 16 mm ces trucs et ma grand-mère achetait de la musique. Et il faisait des petits montages. et donc, il faisait des petits films de la vie du quotidien, des voyages. Et mon grand-père, c'était il était très nature, enfant. Il n'a qu'un cœur d'enfant toute sa vie. Et donc, quand j'étais toute petite, il nous projetait des films qu'il avait achetés, mais des films de Laurel et Hardy, des Marx Brothers, des trucs. Et donc, ça nourrit beaucoup, beaucoup ma petite enfance. Ça a été très, très présent. Après coup, c'est adolescente. J'allais beaucoup au cinéma avec mes deux grands-mères séparément, mais on a développé cette habitude d'aller voir des films. Mais le premier film ou la première histoire, va falloir que je te réponde plus tard, Jeanne. Ça me prend de court. Mais tu as déjà mis la table. Mais est-ce que tu écrivais plus jeune? Est-ce que tu avais une manière de raconter des histoires déjà à cet âge-là? Jeune, je bricolais beaucoup.
Beaucoup, beaucoup. Et ça devait être n'importe quoi, mais je pouvais bricoler des trucs, puis construire les constructions, puis je donnais ça comme cadeau aux gens, puis tout ce qui est pâte à modeler, construire avec des petits morceaux de bois, tout ça. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Et donc, ça, je l'ai fait beaucoup. Ou d'inventer des histoires. Nous, on habitait derrière, c'était la forêt avec des petits ruisseaux, puis je prenais tous les bonhommes. Moi, je n'aimais pas tant les Barbie, mais en fait, je leur coupais les cheveux, puis après ça, j'étais triste parce que ça poussait plus après. Mais ils vivaient beaucoup d'aventures dans la forêt. Ça, je peux vous dire, il y avait beaucoup d'aventures. Et sinon, très jeune, j'ai fait beaucoup de photos aussi. Puis ça aussi, sans m'en rendre compte, on avait un appareil photo. Et puis, à 9 ans, 10 ans, je la portais à l'école. J'avais envie de ça, mais c'était vraiment le côté ludique, la curiosité, je pense, des choses et des autres. Mais adolescent après... Parce que moi, ça a été, je pensais qu'en aller, je savais pas en quoi j'allais aller. Il y a plein de trucs que je voulais faire. Puis, secondaire, j'allais dans une école spécialisée en sciences. Pas parce que j'ai souhaité ça, c'est parce qu'on m'a mis dans cette école. Mais après, tu sais, ben, c'est peut-être ça parce qu'il y a des trucs qui m'intéressaient. Mais c'est ça. C'est vraiment plus à 19 ans qu'il y a eu un déclic. J'ai fait, ben, je peux me permettre de raconter des histoires. Il nous reste moins de 5 minutes. Ton prochain projet, tu travailles sur quoi? Tu en as glissé un mot au début, tu as tourné pendant l'année. Mais côté cinéma, ton prochain projet, est-ce que tu as déjà une idée? Ben, c'est-à-dire que j'écris. J'ose pas trop en parler. Je travaille sur différents projets en écriture seule et d'autres en co-écriture. Je vais toucher du bois. Oui, si je travaille fort dessus, c'est parce qu'on a vraiment envie de les partager. Ouais. Et on va faire aussi des projets qui sont écrits. Alors, il y a des trucs sur la table en anglais et en français. On va voir. En ce moment, mon truc, c'est juste, j'espère faire un prochain film. Je suis vraiment là-dedans. Ah, mon Dieu. Je suis convaincue. Un gros, merci, Louise, de ta générosité. Vraiment, ça a été génial de parler avec toi. J'espère juste qu'on va pouvoir reprendre ça un jour à Florac avec un autre de tes projets. J'espérais tellement aller vous rencontrer à Florac. C'était vraiment... On va se reprendre. On le souhaite ardemment. On va se reprendre. Merci aussi à Guillaume Sapin et Thibault Noyal pour la technique. Merci à tout le public qui nous a suivis. Louise Tirolire sur le Facebook, on m'envoyait tous les messages d'amour que tu as reçus, là, des commentaires archi-positifs par rapport au film. On n'a pas eu beaucoup de questions, mais une déferlante d'amour sur la page de la transmission de notre direct. Donc, ne manquez pas le confrontant. Là, on va changer radicalement d'univers. Les nôtres de Jeanne Leblanc. Je vais échanger avec Jeanne en France. Ça va être à 22h30. Au Québec, ça va être à 16h30. Donc, une heure avec Jeanne Leblanc. Donc, portez-vous bien. Et comme on dit au Québec, lâchez pas la patate. À très vite, tout le monde. Bye-bye. Merci. Au revoir.